sitting in the back. I don't know what was going on or what kind of, you know, service that we had. He was in a white shirt. He was sitting right there next to the seat of Mama Sidonie. Yeah. I was in the back. And the Spirit was telling me to tell him stuff. But that day, because I didn't know him, I didn't know how he came, who he was, I did not say anything. And as soon as the pastor called him, the Lord told me to tell him what he told me to tell him before. So he told me he's going to be the prophet of the Lord. Amen. He's going to be the prophet of the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. L'ancien témoin de la Bible, elle est ouverte à la page ancien Pascal. Deutéronome 5, ma Bible. Deutéronome 5. À partir de 6. Deutéronome 5. Alléluia. Alléluia. Quel est ton nom? What is your name? Emmanuel is his name. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. His name is Emmanuel. Emmanuel veut dire, tu connais la Bible. Que veut dire Emmanuel? Ok. Emmanuel means God is with us. Dieu est avec nous. God is with us. Ça veut dire qu'en toi, I mean that in you, il y a l'Esprit de Dieu depuis la naissance. There is a spirit of God since you were born. Dieu est avec toi. God is with you too. Hallelujah. Hallelujah. Un poisson qui est hors de l'eau n'est plus un poisson. A fish that is out of the water is not a fish anymore. He will die. Yes. Un poisson. A fish qui est dans l'eau. That is in water. Il grandit dans l'eau. He grow into the water. Quand il quitte dans l'eau. When he comes out of the water. Il meurt. He dies. L'eau pour toi. Water for you. C'est la maison de Dieu. Amen. It's the house of God. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. C'est l'église. It's the church. Et si tu vas à l'église tous les jours. If you come to church every day. Dieu va te bénir. God will bless you. Dieu va te donner les choses que tu penses que tu peux plus avoir. God will give you stuff that you think that you shouldn't have anymore. Dieu va te donner des enfants. God will give you children. Dieu va bénir ta maison. God will bless your house. Dieu va te donner la joie. God will give you joy. Ta femme sera dans la joie. Your wife will be in joy. Tes amis seront dans la joie. Your friend will be in joy. Ta maison sera dans la joie. Your household will be in joy. Mais de la manière que Dieu parle à un enfant qui ne connaît rien. But the same way God speaks to a child that doesn't know much. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui connaît Dieu. God does not speak the same way to someone that knows him. Quand Dieu parle à un enfant. When God speaks to a child. Quand l'enfant fait quelque chose, when the child does something, il lui dit, il ne fait plus ça. He tells him, don't do that anymore. Mais quand Dieu parle à quelqu'un qui est grand, but when God speaks to an adult, ou quand tu parles à un enfant qui est grand, or to a child that is mature, tu dis, si tu fais ça encore, God will say this way, if you do that again, alors ce qui va se passer, c'est toi qui vas le chercher. Then whatever will come up should be the consequences. La Bible dit, the Bible says, que je suis ton Dieu. That I am your God. Qui te fait sortir d'Egypte. That brought you out of Egypt. Qui te fait vivre tous les matins. That make you live every morning. Qui t'a donné ses grands frères et ses frères. That give you all these brothers and sisters. Qui t'a donné tout ce que tu veux. Qui peut te donner tout ce que tu veux avoir. That can give you everything that you are searching for. Il dit tu n'auras point de Dieu en devant ma face. He said you should no longer have any other God beside me. Alléluia. Alléluia. Je vais t'expliquer. I'll break that down for you. Tu n'auras plus de Dieu devant ma face. You should not have any other God beside me. Parce que Dieu, because God, il dit je suis un Dieu jaloux. He has always said he's a jealous God. Dieu te donne, il va te donner du travail. God will give you a job. Souviens-toi de Dieu. Remember God. Dieu te donne une femme. God give you a wife. Souviens-toi de Dieu. Remember God. Dieu te donne des enfants. God give you children. Souviens-toi de Dieu. Remember God. Dieu te donne de l'argent. He gives you money. Souviens-toi de Dieu. Remember God. Si tu es, if you are, tes enfants, if you have children,
plus que Dieu, if you love your kids more than God, et que Dieu t'aime, and God loves you, pour t'appeler, to call you, il va tuer les enfants. Yes. He's able to take the life of those kids. Si Dieu t'a appelé, if God has called you, que tu as une femme, that you have a wife, ou une copine, or you know a fiancé or a girlfriend, que tu aimes ta copine et ta femme plus que Dieu, and then you love your wife or your girlfriend more than God, que je veux passer plus de temps, Dieu, l'église ne m'intéresse plus, and then you're not interested in church anymore, Dieu peut enlever la fille. God can take that person away. Si tu sais, tu mets même l'école où tu vas réussir, even the school where you're gonna prosper, à cause de ça tu n'as plus le temps de Dieu, and you put school before God, Dieu peut tout bloquer. God can stop you and make you fail. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que, until tu reviens au Seigneur, until you come back to him. Alléluia. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui voulait, un monsieur qui voulait l'argent, il voulait être riche. There's a servant of God that wanted to be rich. Il pleurait. He was crying. Et Dieu l'a béni un jour. And God blessed him one day. Il est devenu homme d'affaires. He became a businessman. Il partait plus à l'église. He didn't have time to go to church anymore. Sa femme dit, allons-y à l'église, il va plus à l'église. His wife kept telling him, let's go to church, but he avant qu'il ne soit riche, il évangélisait, il chantait partout. Before he became rich, he was evangelizing. Il priait. He was singing everywhere. He was praying. Quand il a commencé à avoir l'argent, once he started getting more money, une grande maison, a big house, une belle femme, a beautiful wife, il a oublié la maison de Dieu. Yes. He forgot the way of the house of God. Ce que je fais ce matin, what I'm doing this morning, je te dis que Dieu t'aime. I'm just telling you that God loves you. Et qu'il faut revenir dans la maison de Dieu. To come back to the house of God. Pour que Dieu bénisse ta femme. So God will bless your wife. Ta maison. Your household. Tout ce que tu fais, les portes vont s'ouvrir. Everything that you will do, doors will open up. Le jour où ce monsieur la sortait, the day the man was coming out, il a reçu une lumière sur le visage. He received a light that struck him on the face. Dieu a dit, tu veux me fuir. And God said, you want to run away from me. Il a entendu le cri, ça a baissé. Once he heard that, he bowed on his knees. Il était paralysé. He was paralyzed right away. Et c'est dans les chaises roulantes. And then it was in wheelchairs. Et sa femme l'envoyait maintenant à l'église tous les dimanches. That the wife was, you know, rolling him in church every Sunday. Et le serviteur de Dieu priait pour lui pour qu'il marche. And the servant of God was praying for him to walk again. Dieu lui dit. And God tells him. Gêné comme un coma. He said, fast as much as you want. Il va rester comme ça. He gonna stay like that. Comme ça, je suis sûr qu'il va venir à l'église. So I'm sure that he will always come to church. Et quand il sera paralysé, and then when he will be paralyzed, comme ça, il va prier pour les gens. So he can pray for other people. Et puis ils seront guéris. So then they will be healed. Il va prophétiser comme il a dit tout à l'heure. He's gonna prophesy. Et puis les gens seront contents. And then people will be blessed. Est-ce que si on ne peut pas prophétiser? Who said that we can be? Est-ce que si quelqu'un est paralysé, si il ne peut pas mettre la main pour faire? If someone is in a wheelchair. Mais comme je le fais marcher avant bien. Since I was making him walk, il dit, il veut pas ça. And he didn't want it. Et donc, c'est quand la police vient chez toi, when the police come to your house, il dit, frère, viens, monsieur, venez, on va aller à la police. You say, come and follow me. Quand tu veux être dur, when you try to resist, il y a deux questions. There are two questions. How do you want? How do you want? Hard way. Hard way. Or easy way. Or easy way. Facile ou difficile. How you want? Comment tu veux venir à la police station? How do you want to follow me? Si tu dis easy way, if you say easy way, you say let's go. You will say let's go. Si tu dis force, if you requesting, ils vont te faire tomber. They will put you on the floor. Mais forcément tu vas partir. Mais tu seras en haut avec tes pieds et quand même tu seras en train de partir. But you will be handcuffed but still go to the same destination. Yeah. Donc Emmanuel. So Emmanuel. Dieu t'aime. What I'm saying is God loves you. Il va t'utiliser. He's gonna use you. Avant que je ne sois pasteur, before I became a pastor, je voulais faire des affaires. I wanted to be a businessman. Mais Dieu savait. But God knows. C'est pas qu'il va pas me bénir. But God knew. Mais s'il me bénissait dans les affaires, but if he had blessed me while I was a businessman, j'allais tout être dans les affaires. I would have been only in business.
J'étais en train de finaliser une affaire de 250 millions de dollars. I was about to close a business deal of $250 million. Avec le président d'un pays africain. With a president of one of the African countries. C'est avec le diacre André. With the deacon. C'est t-shirt de promotion. C'est truc de campagne. C'est ils nous ont donné toutes les rues à faire dans la capitale de Conakry. Everything about his campaign, every light in the. Le jour où on devait signer le contrat. The day we're supposed to close the deal. À la veille, ils ont tiré dans sa tête. The night before, he was shot. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. And then there were other stuff that followed that. Mais quand je veux faire affaire pour Dieu. But when I want to do something for God. On évangélise en même temps. Quand je veux faire ça, pasteur en même temps. Et je sais. Qu'il va bénir, il va me bénir dedans. And I know he's going to bless me since I became an evangelist. Ce matin, I'm in a pastor. Dieu t'aime. This morning, I'm just saying that God loves you. Même quand tu dors, Dieu veille sur toi. Even when you sleep, God is watching over you. Quand tu marches, Dieu t'accompagne. When you walk, he walks with you. Il veut t'utiliser pour que tu vois. He wants to use you so that you can see things. Si on attaque ta famille, que tu vois. So then when something is coming against your family, so that you can be aware. Pour que quand tu pries, ça s'arrête. So yes. Then when you pray, it will be stopped or deviated. Dans la communauté. In your community. Dans le milieu où tu seras. In the place that you're going to be, in your surrounding. Tu n'es pas connecté au Seigneur. But if you are not connected to the Lord. Tu fermes sa bouche. You are closing him. You are closing his mouth, stopping him from talking. Je sais. I know. Que tu es intelligent. That you are a very smart guy. Tu es sage. That you are wise. Et Dieu t'aime. But God loves you. Il dit, marche avec lui. He said, walk with him. Il va te donner tout ce que tu veux. He's going to give everything you want. Il va ouvrir les portes. He's going to open the gates, doors. Ce matin, tu this morning, ici. You came. 11h. At 11, à 13, at 1, même si c'est 14, c'est fini. Even it reaches 2 o'clock, that's it, that's the only time. 3 heures dans la semaine. 3 hours in a whole week. Que tu vas donner au Seigneur. That you're going to give to God. C'est how difficult is it? Mais on va. Please fight. On va prier pour. Let us pray for Emmanuel. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Morning, I thank you for your word. Seigneur, ce matin, ton Lord, fils Emmanuel fait une nouvelle alliance avec toi. Your son Emmanuel is closing another alliance. Là où il y avait des blocages, Seigneur. A new covenant. Whenever there was a blockage. Que ce soit des finances. No, Seigneur, tu ouvres les portes maintenant parce que ce matin, il te réaccepte. In his finances, please open the door so he can reaccept you today. Viens le Père réaccepter le Seigneur. We're going to call the evangelist. Amen. To ask Emmanuel to renew his vow with the Lord. Yes. For the Spirit is saying that he needs to reaccept Jesus Christ. Frère Emmanuel a un appel. Brother Emmanuel has a call upon his life. Et cet appel, but that call, il sera en mesure de répondre et de marcher. He can only answer that call. De Dieu avec Jésus Christ. And will be walking in the power of God with Jesus Christ. Parole qu'il va prononcer, so every word that he will be pronounced, he will be pronouncing, will come from God through His Spirit. Et ce matin, so il va se réconcilier avec Jésus Christ. He's going to reconcile himself with his Lord Jesus Christ. Et il va répéter avec moi. So he's going to repeat after me. Même dans la salle, celui qui n'a pas encore accepté Jésus even comme son Seigneur room, did not accept Jesus Christ et son Sauveur, il peut le répéter avec moi. Can repeat after him. Et il va recevoir Jésus-Christ so he can receive Jesus comme Christ son Seigneur et son Sauveur. As his Lord and Savior. Quiconque le voit anybody that sees him, verra Jésus-Christ d'abord. Receive God first. Amen. Quiconque va se lever contre lui anyone that will rise against him, aura Jésus-Christ en face. Who will see Jesus face au to nom face de Jésus. In the name of Jesus. Répétons. Let us repeat. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Me voici au devant de toi. Here I am au devant de toi. Tel que je suis. Accepte-moi comme je suis. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Tout ce que j'ai fait de mal à ta face. Que ton sang me lave, qui me nettoie, qui me purifie.
et que je sois justifié. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'invite maintenant à entrer dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Dirige toute ma vie. Au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Glorifie le Père. Saint-Esprit, glorifie le Fils dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bénis ton nom, roi des rois. Seigneur, dans son esprit. In his spirit. Dans sa tête, Seigneur. In his head. Oh, je fais la marque, papa, de Jésus-Christ, la croix. Tu as vécu tout l'ennemi, Seigneur. Qu'à partir de ce matin, papa, que tout ce qui était raisonnement, tout ce qui était négatif, tout ce qui était paresse, oh, papa, pour pouvoir te servir. Oh papa, ça fesse ce matin dans ce corps au nom de Jésus. C'est loin de son esprit au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit démoniaque, au contraire à ta parole, papa, c'est loin de Emmanuel au nom de Jésus. May be cast away from Emmanuel in the name of Jesus. Now that your son has accepted les portes, papa, des finances. Open the gate of financials. Tu vas le repositionner. To reposition him. Que le monde entier. So that everybody puisse voir la lumière de Dieu. Will see the light of God. Que lorsqu'on le regarde. So when people look at him. On ne voit plus le visage de manière. May they not see his face. On voit la puissance de may Dieu. May they see the power of God. Qui l'accompagne partout. That will take him everywhere. Sa bouchette. On his sleep. Partout il se trouve. On his bed, everywhere he will go. Seigneur. Lord. Que son étoile recommence à briller. May his star shine. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que ses amis. May his friends commence à voir start seeing la différence. The difference en ceux qui te servent. In whoever serves you et ceux qui ne te servent. And whoever does not serve you. Tu remplis et Lord, ton fils, fill your son et ton esprit with your spirit. Le prophète ce matin. May him be your prophet this morning. Je le, là où il avait été affaibli. Wherever he was wicked. Je le reconnais à toi maintenant. I restore him and reconnect him to je you. Je remets en lui, papa, la puissance I de put Dieu. Back in him the power of oh, God. Tu remplis son esprit, son corps, may papa. May you fill him up. Son âme, his Seigneur. His spirit, his body, oh, his soul. Je vois maintenant. May he see you. Que même dans sa maison. Even in his house. Tu reviens à lui. Reveal yourself to him. Partout il sera à l'école. Everywhere in school. Multiplie son intelligence. Multiply his intelligence. And his wisdom. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Merci.